fontaines ou sculptures, chacune fera ce qu'elle voudra dans un lieu. Elles ne m'appartiennent plus. Elles vivent leur propre vie avec leur soleil, leur lune, leur pluie. Quand une fontaine est dans la nature, elle atteint son point final, son apogée. Elle respire, elle s'oxygène. Mise en balance par un jeu de sas, de concurrence, les cylindres métalliques se remplissent, se vident. Balancement, ondoiement, le vent relaie la pesanteur. Sur son axe pointu, réduisant le frottement au minimum, le balancier fluctue, ondule. Mise en balance contrariée. Parfois, on trouve une forme bombée, comme une hémisphère aplatie. C'est une goutte d'eau géante, mer des gouttes d'eau, qu'on voit glisser sur les parois de ce qu'il appelle ses fontaines.